système éducatif. Alors là, on est sur un événement dans le cadre de la semaine de ouf, donc en partenariat avec la FEV, donc association qui travaille sur le lien entre la ville et les étudiants, entre la ville et le campus, et également sur l'aide périscolaire globalement. Donc là, sur la semaine de ouf, en fait, il y avait une volonté d'organiser une manifestation culturelle sur le campus avec deux visées, à la fois d'être dans le thème de la semaine de ouf, savoir un autre monde est possible. Donc là, au niveau de la programmation, on est sur l'échange, sur l'interculturalité, avec une programmation très éclectique. Et notre première partie, on est sur un artiste solo, guitare solo, au nom de Nassim, qui joue dans un groupe de reggae à côté, mais là, qui présente donc son répertoire propre, et qui est entre reggae plus musique orientale. Et ensuite, une deuxième partie, rien à voir. On est là sur un registre beaucoup plus rock, avec Wax Paradise, qui est un groupe qui est composé à la fois de Nantériens de la ville et également de Nantériens qui font partie aussi du campus. On pense que de toute façon la fac elle est tellement cloisonnée que les habitants ils ont aucun lien avec elle et du coup un concert, donc un moment de musique, ça permet de toujours rapprocher les gens et donc c'est parfait, enfin, c'est vraiment dans cette idée là qu'on a fait ce projet de concert. C'est même pour ça qu'on a appelé notre projet Musique Ensemble.